Allez, salut, c'est Goudrel. Comme vous le savez tous, là, ce printemps, j'ai eu des problèmes. J'ai brûlé une panne. J'ai brûlé une panne et puis je suspectais ma boîte à flotte parce que l'évaporateur a manqué d'eau. J'étais parti faire mes fuites. Et puis, moi, je pensais que la valve ici l'avait bloquée là, par un morceau d'écorce ou quelque chose là, qui avait rentré dans mon réservoir sans le savoir, là. Mais c'était pas ça, c'était pas un morceau d'écorce. J'ai trouvé c'est quoi qui se passe là, avec ça, là. Moi, le matin, là, j'avais dans mon tuyau ici là, qui mène à mon réservoir en haut, là, mon tuyau transparent, là, il était gelé. Et puis moi, ben j'ai chauffé ça, je l'ai chauffé un petit peu avec la torche pour le dégeler. Mais probablement que sans m'en apercevoir, j'ai peut-être tiré sur le tuyau un peu, là. Puis regardez, là, je viens de découvrir, là, c'est quoi. Pourquoi est-ce que la flotte ici, là, regardez comment est-ce qu'elle fonctionne, vous voyez, là, elle monte. Donc moi, là, je l'ai ajusté pour à peu près un pouce et demi, là. Habituellement, j'ai un pouce et demi, là, d'eau, là, dans mes pannes. Vous voyez, là? Mais là, je viens de m'apercevoir, là, que j'ai peut-être frappé mon tuyau en le dégelant le matin, là. Et puis, je ne m'y suis pas aperçu d'une affaire, là. La tôle ici, là, c'est mince, hein? Regarde bien, là. Vous avez vu, là? Regardez la flotte, là. Puis elle a levé, là. Donc, c'est ça qui est arrivé, là. J'ai manqué d'eau à cause que j'ai probablement, sans m'en avoir aperçu, là, bien, regardez, là, vous voyez, là? Mais là, elle est en position normale, là. Elle est en position normale, là. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Regardez, là, elle monte, là, elle laisse rentrer l'eau. Vous voyez, là? Mais de l'autre façon, là. Regardez, là. De même, là, ça marche plus, celle-là, là. Fait que c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, là. Mais au moins, je l'ai trouvé, là. Là, je sais que la boîte à flotte ici, là, il va falloir que j'épaississe ça, là. Il va falloir que je mette ça pas mal plus épais, là, pour pas que ça arrive encore, là. C'est la tôle, là. Regardez, là. C'est la tôle qui est trop mince, là. Fait que je vais épaissir ça ici, là, avec une grande plaque de métal, là, pour plus que ça fasse ça, là. Parce que c'est ça qui me joint tôt. Certain que c'est ça, là. C'est certain que c'est ça. Anyway. Fait que je tenais juste à vous le montrer, là. Pour pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, ça, là. Parce que, écoutez, là, brûler une panne à cause que t'as manqué d'eau, là, c'est vraiment pas plaisant, là. Ça m'a coûté cher cette année, là. Et puis, c'est ça, là. Fait que, anyway, je voulais juste vous montrer ça. C'est pas grand-chose, là. Vous avez dit c'est niaiseux, là, mais écoutez, là. On fait pas tout le temps que tu prends, là, mais c'était vraiment ça là, qui m'a causé tout ce problème-là. Là. Fait que je vous laisse là-dessus. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Salutations.